2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, buddy, bah. 2 minutes, 2 minutes, bah, les deux minutes du peuple. Attention, voici un autre épisode de notre série Columbo du peuple. Tu es si belle, tu es une merveille, ah oui, tu es irrésistible. Et puis de plus, sur ta peau vermeille, j'aperçois ce slip comestible. Et tu te souviens? Oh, si, si, je me souviens. Oh, tu veux bien me jouer cette sérénade que tu me jouais à l'époque? Ah oui, celle-là, oui, bien sûr. Oh, elle est si jolie. Ouais. Je t'aime tant. Oh, moi aussi, chérie. Je regrette de t'avoir trompé. Oh, c'est vrai, je ne te l'avais pas dit. Pas tellement, non. Oh, eh bien... Oh. Mais comment... Espèce de... Tu veux bien qu'on laisse tomber la sérénade? Oui, tu la finiras un autre jour. Quand et avec qui? Avec un type de la galerie. De la galerie? On s'était rencontrés dans une soirée. Dans une soirée? Nous nous sommes revus. Mais... On a skié à Chamonix. Mais... On est allés à Dijon. Mais comment... On a fait un golf en Bretagne. Toute une soirée, dis donc. Non, je veux dire quand on s'est revus. Mais c'est... Je sais, j'ai l'air d'une salope. Bon, écoute-moi. J'ai l'air d'une traître. Écoute... J'ai l'air d'une pute. J'ai l'air de... Effectivement, tu ne manques pas d'air. Pas mal celle-là. Hein? Elle est bien bonne. T'as baisé avec lui? Oui. T'es vraiment la pire des salopes, tu vas me le payer cher. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Excuse-moi, ce sont les mots qui viennent de dépasser ma pensée. Ah bon? Mais pourquoi t'as fait... Eh bien, on dirait que mon cœur te comprend, mais ma tête est en désaccord avec toi. Ah ouais? Eh ben, on va faire désaccord avec ta tête, tiens. Ah, qui cela peut-il bien être? Salut, monsieur Bouterlagu, je viens pour votre piano. Non, j'aurais pas besoin de le faire accorder ce mois-ci. Mais pourtant, vous le faites accorder à chaque mois. Je sais, mais ta gueule. Et en plus, vous m'avez demandé d'ajuster le clavier. Non, j'ai pas besoin. Bah, c'est vous-même qui m'avez demandé. Pas besoin, je jure que j'ai justement foutu la tête de ma femme sur le clavier. Hein? Pas besoin d'ajuster le foutu clavier, je jure, sur la tête de ma femme. Bon, bah. Salut. Bon, on va cacher ce macabé dans le piano. Comme ça. Je vais pouvoir jouer du macabé Beethoven. Concerto en cimetière. Allô? Eh hey, mon filleul, c'est ton parrain en face. Salut mon parrain. Tu veux bien me dire quel est le truc bizarre que tu joues sur ton piano depuis ce matin? Je reconnais plus tes mélodies. Ah, tu sais, c'est le style moderne, hein. C'est, ah bon? c'est contemporain. Contemporain, hein. C'est ça. Bah ton parrain n'est pas content. Ciao. J'arrive. Monsieur Bouterlagu, je suis lieutenant Columbo. Oh, entrez, lieutenant. Je vous remercie. Eh ben, je suis désolé, mais on vient d'apprendre la mort de votre femme, monsieur. Oui, c'est terrible. En passant, j'ai tous vos disques, hein. Oui, mais là, vous choisissez mal votre moment. Oh, personne ne choisit sa mère, monsieur. Bon, écoutez... Ça vous ennuie pas que je jette un coup d'œil? Allez-y. Vous savez pas de quoi elle est morte, votre femme? La pauvre avait un cancer. Eh ben alors, qu'est-ce qui est fou dans le piano? Ben, c'est un piano de concert. Ah. Vous voulez me suivre, s'il vous plaît? 2 minutes, les 2 minutes du peuple.